spartiates. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler les poignées d'amont et les abdos, à commencer par un petit échauffement avec le bâton. Donc là, hop, rotation de buste. Hop, 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 hop. Il faut être entre 30 secondes et 1 minute, comme ça, ou sinon sur les côtés. Hop, 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 hop. Comme ça, vous échauffez les obliques. Hop, hop, ou sinon devant. Ça, c'est concernant l'échauffement. Bon, maintenant, on va passer au mouvement. Donc, je vais vous montrer les mouvements que moi, je trouve, on va dire, qui ciblent au maximum les poignées d'amont et les abdos en même temps. Donc, passons à l'exécution. C'est parti. C'est parti pour le premier mouvement. Regardez bien, je vais faire des relevés de jambes en V pour cibler au max mes obliques et bien sûr, les poignées d'amont. Donc là, regardez très très bien, mettez vos mains collées à votre corps, vous levez, en V bien sûr, vous descendez, et quand vous levez la deuxième, vous faites un petit croisement droite, pour croiser à gauche, et vous descendez. Levez, A, A, et vous descendez. A. Deuxième mouvement, c'est flexion latérale du tronc avec relevé de jambe latérale. Donc là, regardez très très bien l'exécution. En même temps que je fais une flexion latérale du tronc, en même temps, je lève mon pied latéralement. Et je descends, je reviens à l'état de repos. Après, flexion latérale du tronc, en même temps, relevé de jambe latérale. A, flexion, A, direct. A, donc là, on fixe au max les obliques. Je reviens, je vous remonte. Bim, flexion latérale du tronc. Paf. Et j'envoie direct une relevée. Et je redescends. Bim. Ah. Bien sûr, il y a différentes options. On peut faire des mouvements options faciles. Bien sûr, vous regroupez, vous faites juste comme ça. Et non pas les pieds tombés. On passe au troisième. Troisième mouvement, abdos ciseaux. Hop. Les jambes. Levez. Tout doucement. Bien sûr, vous allez sentir aussi que les cuisses sont en train de bosser. C'est normal. Ça va brûler en même temps les poignées d'avant et en même temps les abdos inférieurs. Passons au dernier exercice, c'est la bicyclette. La bicyclette, elle est composée de quoi? Elle est composée crunch croisé, bien sûr, quand vous faites vos crunch croisés, cherchez avec votre coude le genou croisé, et en même temps, il y a le mouvement des jambes. Donc là, regardez l'exécution. Donc là, on commence, regardez très très bien. Il y a mouvement des jambes et en même temps vous avez les crunchs croisés. Donc là bien sûr vous allez cibler les parties qui sont sur les côtés et toucher au maximum les poignées d'amont. Donc là j'espère que ces mouvements vous allez en profiter au max parce qu'il y a pas mal de mes élèves qui souhaitent perdre des poignées d'amont bien sûr et avoir un ventre plat. Bien sûr c'est à long terme, il faut penser aussi à l'alimentation. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.